qu'on désactive un système de surveillance, de vidéosurveillance, ça veut dire qu'il y a une chaîne de complicité. Et s'il y a donc une chaîne de complicité, je commence à remettre en question la capacité de faire circuler 6 milliards. Parfois ici, si c'est vous et moi ici à Info TV qui voulons faire sortir les caméras en complicité avec les cadreurs d'ici, pourquoi on commence à me dire que porter les caméras est difficile? Voilà. Mes amis, nous sommes tombés alors en direct avec les journalistes conseillers de la présidence. Il faudrait très bien retenir que le palais, avec toute la sécurité qui est de taille, a été cambriolé. Alors, plus de 6 milliards de francs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ont été emportés. En fait, la présidence du cabinet civil agresse vraiment le regret d'annoncer ce drame qui est survenu. Effectivement, son excellence monsieur Paul Biya, président de la République, a décidé aujourd'hui de nous faire croire qu'il est au contrôle de cette affaire. Et dans son discours, dans son suite, il a dit que les auteurs seront punis sévèrement. Je suis déjà au studio avec des journalistes de la télévision, de la place, ici même à Yaoundé. Ils vont nous faire comprendre, ou bien ils vont nous éclairer, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous le voyez très bien, les portes du palais, nous sommes en direct depuis le palais de la présidente, les portes sont cassées, comme vous le voyez très bien. Vous voyez les premières images. Effectivement, ils argumentent que ça a été cambriolé. Beaucoup disent que avant ce cambriolage, les caméras de surveillance ont été désactivées. Parce que je tiens à vous dire, mes frères Camerounais, cette histoire s'est passée au Cameroun, à la présidente de la République, ici à Yaoundé, pour ceux qui sont du côté de l'étranger. Alors, beaucoup se posent la question, pourquoi notre président ne réagit-il pas? Alors, découvrez ensemble sur cette vidéo les premières nouvelles que nous venons de recueillir ce matin-ci. Le décret vient de tomber. Alors, écoutons d'abord cette vidéo et nous allons revenir. Progressivement de ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, finalement, nous osons croire qu'on aura les résultats d'enquête. Parfait, ici, votre panel tend à dire qu'il n'y a rien eu. Mais nous, nous vous disons... Non, c'est ce que votre panel veut démontrer. Non, nous disons, par exemple, nous disons à l'endroit de Maître Sim qu'il ne s'agit pas d'un larcin. Parce que dans les éléments d'enquête qui sont déjà disponibles, on dit que les vidéos de surveillance ont le système de vidéos de surveillance désactivé. Ce n'est donc pas une femme qui allait balayer le bureau qui sait où est-ce qu'on désactive les caméras. Mais qui a dit ça? Non, permettez. Je veux dire que la chaîne de complicité est bien, laissez-moi être à vous. Il y a la phrase de... D'accord, continuez d'après. Vous dites qu'on a dit qu'on a désactivé le système de vidéos. Qui vous a dit ça? C'est dans quelle enquête? L'enquête est ouverte. Vous avez des éléments d'enquête. Comment? C'est pour cela qu'un panéliste disait qu'on n'est pas au tribunal. Parce que si on fait comme ça, on ne va rien dire. On va leur dire qu'il n'y a rien. Vaut mieux. En attendant l'enquête, il faut qu'on attende. Nous ne sommes pas des avocats, nous sommes des journalistes. Non, nous analysons la quantité de faits qu'il y a à notre disposition. 6 milliards de francs. Non, nous disons que, moi je dis que, lorsqu'on désactive un système de surveillance, de vidéosurveillance, ça veut dire qu'il y a une chaîne de complicité. Et s'il y a donc une chaîne de complicité, je commence à remettre en question la capacité de faire circuler 6 milliards. Parfois ici, si c'est vous et moi ici à Info TV qui voulons faire sortir les caméras en complicité avec les cadreurs d'ici, pourquoi on commence à me dire que porter les caméras est difficile, alors que c'est nous qui travaillons avec nos caméras et nos caméramens? Non, je dis, il y a eu quelque chose. Et il faut que plus tôt, cette chose soit découverte et que le cabinet civil communique suffisamment. Sinon, c'est lui qui laisse libre cours à toutes les interprétations. Mais non, sur la prétendue inimitié ou prétendue amitié qui existerait entre le DCC et le SGPN, je ne sais pas si ces deux hauts communes de l'État ont vocation à être amis ou ennemis. On ne voit pas pouvoir diriger l'enquête vers l'un ou l'autre. Ce que nous disons, c'est que la présidence, en fin de compte, est profanée.
et que c'est Biya qui est attaqué. Bon, il y en a qui disent qu'il est toujours là-bas. Il faut donc qu'il montre qu'il est là-bas et qu'on ne peut pas faire ça chez lui. Toi, tu pensais qu'il n'était plus là-bas. Il faut qu'il montre toi, qu'il est là-bas et qu'on ne peut pas faire ça chez lui. C'est ce que je dis. Alors, Dieudonné Chi, progressivement de ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, finalement, nous osons croire qu'on aura les résultats d'enquête. Parfois, ici, votre panel tend à dire qu'il n'y a rien eu. Mais nous vous disons... Non, c'est ce que votre panel veut démontrer. Non, nous disons, par exemple, nous disons à l'endroit de Maître Sim qu'il ne s'agit pas d'un larcin. Parce que dans les éléments d'enquête qui sont déjà disponibles, on dit que les vidéos de surveillance ont le système de vidéos de surveillance a été désactivé. Ce n'est donc pas une femme qui allait balayer le bureau qui sait où est-ce qu'on désactive les caméras. Mais qui a dit ça? Non, permettez. Je veux dire que la chaîne de complicité est bien, laissez-moi et travaux. Voilà, fraudeur. Donc on continue d'après. Vous dites qu'on a dit qu'on a désactivé le système de vidéos de surveillance. Qui vous a dit ça? C'est dans quelle enquête? L'enquête ouverte, vous avez des éléments d'enquête. Comment? C'est pour cela qu'un panéliste disait qu'on n'est pas au tribunal. Parce que si on fait comme ça, on ne va rien dire. On va leur dire qu'il n'y a rien. Vaut mieux. En attendant, il faut qu'on attende. Nous ne sommes pas des avocats, nous sommes des journalistes. Non, nous analysons la quantité de faits qu'il y a à notre disposition. 6 milliards de francs. Non, nous disons que, moi je dis que, lorsqu'on désactive un système de surveillance, de vidéosurveillance, ça veut dire qu'il y a une chaîne de complicité. Et s'il y a donc une chaîne de complicité, je commence à remettre en question la capacité de faire circuler 6 milliards. Parfois ici. Si c'est vous et moi ici à Info TV qui voulons faire sortir les caméras en complicité avec les cadreurs d'ici, pourquoi on commence à me dire que porter les caméras est difficile, alors que c'est nous qui travaillons avec nos caméras et nos caméramènes? Non, je dis, il y a eu quelque chose. Et il faut que plus tôt, cette chose soit découverte et que...